Dans mon esprit, les bonsaïs doivent avoir une forme et un aspect idéal au plus proche de la nature. Alors, pour réussir un bonsaï, j'essaye de m'approcher au maximum de cet idéal en sculptant et en modelant mes arbres. Mais bien évidemment, à la différence de la sculpture ou de la peinture, là, je travaille sur des arbres vivants qui évoluent, grandissent et se développent chaque jour. Avant de les sculpter, ces arbres centenaires étaient dans la montagne. Ils ont déjà eu une première vie. Le plus difficile dans l'art du bonsaï, c'est que tout mon travail doit disparaître avec les années. L'idéal, c'est que la nature et le temps effacent toute trace de mon travail. Les coups de ciseaux, les boutures, le ligaturage doivent s'effacer pour que le bonsaï ait l'apparence d'un arbre naturel. Quand je suis en conversation avec mes bonsaïs et que je travaille avec eux, je leur dis toujours « Courage, courage, il faut que tu sois fort, il ne faut pas que tu meures ». Quand je sculpte un arbre, il faut que je fasse très attention de ne pas venir couper cette partie de l'arbre, car c'est la veine principale, la partie vivante de la branche. Si je coupais à cet endroit, l'arbre privé de son écorce finirait par mourir. Il faut vraiment veiller en sculptant à ne pas mettre en danger cet arbre qui est déjà très vieux. C'est grâce à ce bonsaï que je me suis pris de passion pour cet art. C'est à partir de cet arbre que je me suis mis à les sculpter. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie morte au centre, mais il y a encore une partie vivante dans cet arbre. C'est juste là, sous l'écorce, c'est ce qui maintient cet arbre en vie. C'est vraiment pour moi le charme essentiel du bonsaï. Ainsi, on peut voir la vie et la mort en même temps dans un petit pot. C'est vraiment le cœur même de mon travail. C'est ce qui me touche. Ici, sur cet arbre, au début de mon travail, la partie intérieure de la branche était présente. Je suis venu la travailler et la sculpter pour l'enlever et pouvoir lui imprimer une courbe que je trouvais plus esthétique. Avant, tous ces arbres étaient dans les montagnes. Pour celui-ci, c'est un client qui me l'a confié pour que je l'embellisse et le fasse monter en gamme. Par exemple, ici, au mois de février, j'ai acheté des arbres qui ont été prélevés dans la montagne en Espagne. En fait, je ne vais pas chercher les arbres moi-même pour les former. Il existe des professionnels qui sont des explorateurs passionnés et qui parcourent le monde afin de repérer des arbres propres à devenir des bonsaïs d'exception. Quand j'étais jeune et débutant, je cultivais les bonsaïs. Mais aujourd'hui que je suis devenu plus vieux, j'ai malheureusement moins de temps pour les cultiver. C'est pour cela que j'achète des arbres déjà centenaires pour pouvoir les travailler et les diriger dans mon propre style. C'est en fait un peu comme acheter du temps. Au début, par exemple, sur cet arbre, le feuillage était vraiment trop grand par rapport à la taille d'un bonsaï. J'ai donc, grâce à la technique de bouturage, pu changer toute la ramure de cet arbre. J'ai alors bouturé de nouveaux rameaux qui provenaient d'une espèce au feuillage plus petit. C'est l'architecture du tronc principal qui me guide pour obtenir une forme finale. C'est au mois de février que je greffe les arbres. Au départ, je viens faire un trou avec un burin dans une des branches principales. Ensuite, je choisis une nouvelle bouture. Je supprime les feuilles et les pousses latérales pour venir les insérer comme cela. Après, il ne reste plus qu'à ligaturer le tout en enduisant l'ensemble avec du mastic à greffe. Le nouveau rameau est ainsi greffé et de nouvelles branches vont pouvoir se développer. Je pourrai comme cela les ligaturer pour ensuite les diriger. Ici, je travaille avec ce bonsaï depuis près de 40 ans. C'est, je crois, l'un des plus vieux bonsaïs dont je m'occupe. Et comme vous pouvez le constater, au départ, quand je l'ai eu, il n'y avait pas de branche à gauche. Il n'était pas très équilibré et la structure ne me plaisait pas. J'ai donc fait un gros travail de bouturage pour le rendre plus harmonieux. Je suis un autodidacte dans l'art du bonsaï et malheureusement au départ j'ai souvent fait des erreurs et certains arbres n'ont pas résisté à mes sculptures. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette académie du bonsaï pour pouvoir former et conseiller les nouvelles générations. De cette façon, ils ne reproduiront pas les erreurs que j'ai pu faire au début de ma carrière. Pour moi, la transmission des techniques est vraiment une chose primordiale.
c'est avant tout un devoir. Mais bien évidemment, c'est aussi du plaisir et du partage. C'est grâce à ma passion pour le bonsaï que je vis aujourd'hui. C'est pour cela que je me dois de faire quelque chose pour le bonsaï. Je pense au bonsaï tout le temps, c'est ma vocation. C'est pour moi une mission de transmettre et partager cet art.